Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de la Fabrique d'Univers pour un nouveau tutoriel rapide sur Blender. Aujourd'hui, nous allons créer de la fumée à l'aide de modifier displace notamment et de subdivision sur une icosphère. Cette fumée sera mouvante et contrôlée par des empty. C'est parti! Nous voilà donc dans Blender. Première chose à faire, c'est de supprimer le cube d'origine et de créer une icosphère. Pour ça, on peut se rendre dans le menu Add ici en haut, ou on peut utiliser le raccourci Shift A et utiliser Mesh. On va aller chercher une icosphère. Voilà notre icosphère. Première chose à faire, ça va être de lui rajouter du détail. Pour ça, on va aller dans les modifiers ici à droite et on va lui créer un modifier Subdivision Surface qu'on va immédiatement passer à 4 dans le rapport de détail en viewport et en render. On obtient ainsi une boule toute lisse. On va faire un clic droit dessus et Shade Smooth. Maintenant, on va pouvoir commencer à déformer notre maillage. Pour ça, on va utiliser un Displace. Celui-ci va nous permettre donc de déformer notre sphère sans avoir à la modeler. Pour ça, on va utiliser ici New pour créer une nouvelle texture. Et on va immédiatement le placer à moins 2.3 en force. Ensuite, on va cliquer sur le bouton à droite ici pour aller régler la texture. On va immédiatement en type lui mettre une Voronoi. On va la placer en distance métrique ici en distance squared. Et on va la régler à 1 en taille. Voilà, on obtient ceci. On va retourner dans les modifieurs. Et ici, on va créer un nouvel objet dans notre scène. Donc Shift A. Et on va aller chercher un objet vide de type Plane Axe. Qu'on va déplacer sur le côté et c'est lui qui va nous permettre d'animer la déformation de notre maillage. On resélectionne notre sphère et dans les coordonnées du displace, au lieu de local, on va venir mettre object. Avec la pipette, on va aller sélectionner notre empty. Et maintenant, si je déplace mon empty, on voit que ça déplace les boules de la sphère. Ce n'est pas terminé. Sur la sphère, nous allons mettre un deuxième displace qu'on va régler à moins 0.4. Et pour lequel nous allons créer donc une nouvelle texture également. On va se rendre dessus et on va s'assurer qu'elle soit bien en distance squared et qu'elle soit bien à 1 en taille. Ici, c'est bon, on revient sur les modifieurs et de la même manière, on va lui placer un objet qui permettra de la contrôler. On peut déjà le placer en object et dans la scène, nous allons créer un nouvel empty. Cette fois, on va choisir un cube pour bien faire la différence entre les deux. On va le placer ici et sur notre sphère du coup, sur le deuxième displace, la pipette et on va chercher notre cube. Ce qui signifie que maintenant on a la première couche de boules qui bouge avec la croix et on a le reste qui bouge les petites boules avec le cube. On va sélectionner la fumée qui est maintenant déjà terminée et on va la multiplier avec Shift D et on va la placer en hauteur. On va la décaler un petit peu, on va en faire plusieurs comme ça. Une fois que nous avons fait un panache de fumée qui nous semble satisfaisant, on va pouvoir l'animer. Ici, on va prendre l'empty. On voit sur la timeline, on va bien se placer à 1 ou à 0 selon où commence notre animation. Et dans la scène, on va utiliser le raccourci I pour insérer une clé. On va lui bloquer sa position. On va se placer, je sais pas, une centaine de frames plus loin pour voir. On va déplacer notre empty et on va lui refaire donc I location pour une nouvelle clé. Et déjà, si on peut voir que la fumée bouge. On va faire de même avec le cube. On va le bloquer dans sa position ici, location. On va se placer à 100. Et cette fois, lui, je vais le faire aller vers le haut pour qu'on ait l'impression que la fumée monte. I location. On va arrêter notre animation à 100 frames et on va pouvoir tester ce que ça donne. Alors, si ça bouge un peu trop vite, on va simplement ici se replacer à la une, on va sélectionner nos deux objets et on va pouvoir déplacer sa clé pour ralentir l'animation. Plus on le mettra loin et plus on ralentira l'animation. On va essayer de la faire aller deux fois moins vite. On peut ajuster la taille de nos
gerbe de fumée. Et voilà, vous savez maintenant comment créer de la fumée à partir de solides avec Blender. Il me reste à vous dire à une prochaine pour un nouveau tuto sur notre chaîne, et en attendant, abonnez-vous et n'oubliez pas de liker la vidéo.